Salut à tous, aujourd'hui, c'est la meilleure intro du monde. Aujourd'hui j'ai sorti le gros vélo, pas ma bite, mais le vélo. J'ai sorti le DH, il fallait bien, il fait froid, on est à Champles aujourd'hui. Un beau petit spot, par contre les bike parks ça manque parce que les remontées, on va y en avoir aujourd'hui. Donc on va se réchauffer, on va faire une petite ligne tranquillement. Ce qu'on va faire c'est, je vais descendre, on va faire une petite ligne tranquillement, genre de se chauffer. De reprendre le gros vélo en main parce que ça fait un petit temps, et ensuite on va remonter à pattes histoire d'être vraiment chaud bouillant pour la deuxième piste. Allez, ben c'est parti pour la première descente de la journée. Avant de s'engager sur la première descente, voilà, je roule sur un DH Lapierre DH 727. Je l'ai acheté en occasion il n'y a pas longtemps, mais il fait large le taf. C'est, je crois, le troisième que j'ai eu, et entre les trois il n'y a pas photo, il fait le taf, il a fait ses preuves. Donc je vous montre tout de suite. Le vélo a fait ses preuves, que ce soit en bike park ou dans les spots privés, il a fait ses preuves, donc pas besoin de plus quoi. Bon allez, j'ai mis la caméra en embarqué sur le casque, comme ça ce sera plus simple. Et puis je vais pas ennuyer tout le monde à demander de filmer. Il fait vraiment froid en vrai. Donc c'est parti pour la première piste. Oh, il fait vraiment froid, rien à dire. Ok, c'était dégueulasse. On a beau monter, il fait toujours froid. Et maintenant, on va sortir sur une piste. Par contre, j'ai pas de frein arrière, donc il est un peu mou. J'ai pas de frein avant. Ouais, ça, c'est la vie, ça. Bon, allez, c'est parti. Attends, c'est quoi encore le tracé? Je connais plus le tracé, moi. Oh, je connais plus le tracé, ça fait longtemps que je suis plus venu. Oh là là, c'est une exploration hein, par contre. Le frein arrière, on pourra oublier pour aujourd'hui, je pense. Ça passe. Ouais, on est vraiment à côté de l'autoroute. Bon, on est monté, on commence enfin à se réhabituer au dirt, au DH, parce que le dirt, comme ça enchaîner le dirt et enfin rouler en dirt et puis ensuite enchaîner au DH, c'est abusé. Donc voilà, on va ici, il y a des poteaux qui viennent nous rejoindre, donc on va s'amuser quoi. On va se réchauffer encore, une petite descente. On va encore changer. On va se mettre sur deux petites doubles, un drop, et ensuite on verra sur les doubles de la fin. On verra. Allez, on va se lancer. Allez, c'est parti. En surfant en bas. Ouais. Allez, allez. Il n'y a vraiment pas de frein arrière. Virage, virage. Virage, oh les racines! Oh elles sont mis les racines! Il fait très gras, ça glisse! Drop! Et hop, bûcheron! Oh oh oh! Ouais, non, on va pas s'engager, pas assez de vitesse! Il y a un truc qui a fait bien du bruit sur le vélo, aucune idée de ce que c'est, mais c'était pas plaisant! Je crois que j'ai tapé une racine! Oh, oh. Un petit check parce que ça a tapé. Ouais, voilà. Soit ce sont les rayons que j'ai resserrés tout à l'heure qui sont desserrés. Soit c'est la jante qui a pris. Mais ça roule, y'a rien, c'est reparti. Ouais, c'est parti pour refaire la principale. Allez hop.
On va faire toute clip maintenant. Lyon. Celle-là était belle. Elle était belle. Allez. Commence à chauffer, ça commence. Ouh. Je les ai perdus par contre. Ouais, allez. Rituel, hein, on remonte à patte. Habille les remontées mécaniques. On va reprendre la ligne des deux petites doubles avec le drop. Et ensuite, maintenant, cette fois-ci, on va essayer d'enchaîner avec le virage à la fin. Sans essayer de taper la jante. Ce sera bien. Allez, c'est parti. Wow, ça glisse. C'est qui me suit là? Ah, c'est lui. C'est Mathis qui me suit. Toucher ma selle avec mon cul. Je viens de m'arracher l'anus. Le drop. Prise de vitesse. Hop, hop. Oh, oh. Et je fais partir en avant. Mais ça va. On va éviter de se péter la gueule sur la longue double de la fin. Et ouais, j'ai fait me péter la gueule sur la double à la fin, tu vois. T'as le grand virage et ça a fait un pouf. J'ai failli. Donc du coup, j'enchaîne direct avec une autre piste. Ouais, la grande piste avec la longue double et le virage. Ouais, on verra de façon, on verra. Un pro. Bon, je vais suivre le petit Mathis. Je te colle le cul, je préviens. Ah, peut-être pas trop parce que s'il se pète la gueule, ça va se manger mon vélo. Pas trop vite, hein. Plus de frein arrière, mais ça passe. Et le drop, on va se taper un long. Ouais, bien long. Ah ben, c'est pas assez nickel en vrai. Hop. Moi qui ai dit que j'allais pas la faire, moi je l'ai faite. Je sais pas comment, je me suis lancé sur la double à la fin, c'est passé. Tant mieux, nickel. Et en plus, c'est pas la piste que je voulais faire. Donc... Exactement, finalement, c'est passé, donc rien à dire quoi. Et maintenant, on va s'attaquer sur la grosse double. Je crois que c'est... Non, c'est pas la plus grosse du terrain. Non, il y a la pink line après. Ouais, en tout cas, sur une grosse double. Allez, c'est parti. Je te suis ? Ouais, si tu veux. Vas-y. Oh, le tricheur, il fait pas la bonne. Dégage. C'est tout clean. C'est parti. J'ai encore tapé dans le fond. Mais on s'en fout. Bon, je vais regonfler mes pneus. Laissez-moi respirer. Ah bah suis, vas-y, je t'en prie. Qui se pète la gueule. Tombe. Tombe. Karma. Karma, tu connais? Je suis sûr que c'est moi qui vais tomber au final. C'est qui a failli se péter la gueule? Devine, c'est qui a la roue dans l'arbre? Ah. Maintenant on peut le faire. Quoi? Et c'est moi en fait ou t'es pressé de me voir sur une grosse double en fait? Oui. Pourquoi? Oui, je sais pas, je te suis, tu me suis. Passe devant la première. Je veux voir une chute. Le trou du cul. Bon allez, tu me suis? Bah si tu veux voir une chute, c'est à toi de voir. Non, tranquille, comme ça vous avez vitesse. Eh, bande de chiens. Oh, l'arbre.
on... Ah bah tranquille. Ah le frein avant. Topine. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? La deuxième quand t'arrives dessus la première fois tu dis putain non. J'ai pas freiné. Tu fais du vélo de ville toi? Je te vois assis tout le long. Oh, ouais. Ah Manuetti c'est bien parce qu'il a les tire-fesses qui nique bien ta selle. C'est quoi cette nouvelle piste qu'ils ont fait? Quoi? La nouvelle piste que t'as envoyée là. Malmedy. Bah c'est la Loose Fest ça. Mais non, là où il passe c'est pas la Loose Fest hein. C'est une partie de la Loose Fest. Parce que d'habitude il passe. Ah oui c'est le step up. Là où tu t'es craché tu vois. Oui c'est le step up. Ouais c'est le nouveau step. Là il a pas encore fait. Non. Ah, moi je l'ai vu. Oh, ouais moi aussi. Il est gros. Non. Mais Non. Ouais, aussi gros que ton ego. Non. Non, ton ego est trop grand. Bon allez, moi je te suis dans la roue. On fait pareil, la double et jusqu'en bas. Pour ensuite remonter à pied, tu viens d'essayer de péter là. Ouais. Ah mais je sais que ça va venir, tu vois, mais... Quand on allait se lever avec la caisse, elle est là, t'essaies là pour défendre mais qu'elle veut pas. Essaye de faire en sorte que tu vois, de pas la lâcher pendant que je te suis. Parce que je serai à ça ta roue, vois-tu. Allez. Tu suis? Ah oui, que je filme. Ouais. Voilà. J'en connais un qui va trop vite. Ah il est passé sur le côté le bougre. Nyon. Allez. Hop. Youh. Putain. Dans ta roue hein. Ma batterie est tombée à plat en pleine descente. Et ce que j'ai fait entre temps, pendant que j'avais pas de batterie, je me suis lancé sur la fameuse Vincline de Champ. Voilà, c'est quoi? C'était un first try. Maintenant, oui. Je vais vous montrer ça. On va se lancer. Ah, c'est parti. On va essayer ça. Oh, le poney! Il y a du plat là-bas donc. Je ne vais pas encore faire trop mal si je fais un beau poney. Mais ça devrait aller. Vas-y, je suis. Je peux peut-être tout faire. Yeah! Oh purée! Nickel, c'est parti pour le deuxième test. On va se taper des longs ou des courts et des poneys. Oh ah non, à la fin, laisse tomber, il n'y a pas de vitesse du tout. Oh purée. Et sinon... Ça passe bien. Je suis content de ça. Alors voilà, j'ai passé la Vincline. J'ai bégayé là-dessus. Mais je m'y attendais pas du tout. J'étais pas prêt. De base, j'avais dit au pote, ouais, je vais la faire. Mais c'était pas censé. Ouais, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit, vas-y, t'es chaud. Donc du coup, allez, pourquoi pas. Faut profiter d'avoir du soutien des autres. Et d'être dans l'ambiance. Mais je suis content, elle passe. Et maintenant, go faire full speed sur. Une autre piste, allez, c'est parti pour le full speed hein. Celle de droite? Ouais, celle de droite. Attends, suis... Qu'est-ce que tu fais? Suis-moi, on va prendre une autre piste. Allez. Mais celle de droite hein. Ouais, on prend toujours celle de droite. Ouais, mollo. Et le petit train. Oh, putain, ouais, c'est un beau petit train ça. Allez. Wouah. Le long, j'étais pas prêt. Y'a personne qui était prêt à ça. Et on. Ouf. Allez, le petit saut. Wow. Ouf. J'ai failli perdre le volant. Le guidon, le volant. Arrête de parler. Hop là.
Allez, ça c'est fait. Elle était bien. Voilà, il commence déjà à faire noir. Problème de l'hiver, c'est que t'as pas beaucoup de rides du tout. Les sessions sont très courtes, c'est vraiment chiant. Et visibilité, c'est vraiment de la merde quoi. En plus dans les bois avec les arbres, on est vraiment super restreint, mais bon. Je crois que le mieux, avant qu'on se pète le pied ou la tronche sur une racine ou quoi que ce soit, on va en arrêter là parce que on tient à notre vie quand même. Il faut encore conduire le retour. Donc voilà, retourner en un morceau, c'est toujours mieux quoi. Frère, il fait chier. Voilà, c'est comme ça. Il y en a qui vient de lancer son vélo. Sur ce, j'espère que la petite session DH vous aura plu. La première que j'ai partagée avec vous. Donc, ciao, à la prochaine.